Avec Alex, je ressens toujours des tas d'émotions. Il y a des jours où je suis inquiète, et d'autres où il m'emmène dans les étoiles sans que je sache pourquoi. Alex a réussi encore une fois. Comment ne pas pardonner à quelqu'un qui t'emmène dans les étoiles en classe? Alex est fait comme ça. Il arrive à faire l'impossible. Il voit pas le toit au-dessus de lui. Il voit le ciel. Il ne voit pas de notes sur une partition parce qu'il imagine déjà la chanson quand elle sera terminée. Danser avec lui sous le ciel étoilé, c'était trop beau. À un moment donné, je lui ai fait croire que j'avais vu une étoile filante. Alors il m'a dit qu'il fallait que je fasse un vœu. Et je lui ai dit que j'avais pas besoin d'en faire un. Parce que mon vœu s'était réalisé depuis longtemps.